Youssouf Traoré, enfin Issoufou exactement, a été interpellé par la BREVEM. Ça a été la marche pacifiste pour son frère Adama Traoré. Qui est, donc, il est sorti à l'hôpital le 9 juillet, il a fait une vidéo, il dénonce une arrestation violente. Traumatisme crânien, fracture du nez. Il a été arrêté parce qu'il aurait frappé une commissaire de police. Il attendait peut-être le bouquet de fleurs, non, pour être interpellé. Non mais, enfin, excuse-moi, on a donc des gens. En tout cas, les Traoré, qui est une famille composée, je ne les connais pas personnellement, hein, mais assez bien fournie judiciairement parlant. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près tous condamnés pour extorsion de fonds, trafic de drogue, menace de mort, violence. Youssouf Traoré en question lui-même a été condamné par la justice, donc un récidiviste, y compris pour avoir, me semble-t-il, pour s'en être pris à des fonctionnaires de police. Donc le type est dans une manifestation interdite, il frappe, il est soupçonné, allez je vais utiliser les précautions de langage, il est soupçonné d'avoir frappé une commissaire de police, et ensuite ce type-là a le culot de venir se plaindre de la manière dont il est interpellé. Faut peut-être remettre un peu l'église au centre du village dans notre pays, non ?